Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de Playtime. On va faire un one shot d'ici quelques secondes. Mais avant, on commence donc sur cette page web, celle de l'Humble Bundle, The Humble Indie Bundle 5, qui vous propose en fait pour 1$ environ d'avoir des jeux, à savoir pour 1$ Amnesia plus Psychonauts plus Limbo plus Super Brothers Sword and Sorcery épisode plus les OST. Tout ça à partir de 1$. Déjà, hein, on est pas mal, hein. Donc voilà, c'est un peu le but, hein. Donc on est sur du cross-platform, donc Mac, Windows et Linux. Vous payez ce que vous voulez et vous faites, c'est pour la bonne cause, hein. Vous récupérez vos jeux sur Steam et c'est pour la bonne cause pour les gamins dans les hôpitaux, entre autres. Et si vous payez donc plus de 7,66$, ce qui est, ça revient à 6€ et des barquettes, hein. C'est rien, ça. Vous avez Bastion. En plus, hein, c'est cadeau. Sachant que, bon, par exemple, Psychonauts en ce moment sur Steam, il est à 4,50€. Limbo doit être à peu près au même prix. Bastion, il est dans les 13€, si je me souviens bien. Là, pour 6€ et quelques, hop, vous avez tout ça. Tous les jeux, vous y jouez autant que vous voulez, et puis bah, les OST en plus. Et là où c'est intéressant, c'est que donc vous payez ce que vous voulez, des sommes prédéfinies ou une somme que vous mettez vous-même, et après vous pouvez donc dispatcher à qui vous allez donner ces sous. Donc voilà, si vous préférez donner plus aux gamins ou plus aux développeurs ou un peu des deux, il faut pas hésiter, c'est comme vous le sentez, vous pouvez payer par PayPal, enfin voilà. Il y a quand même pas mal de façons de payer. Des petites stats pour voir combien d'argent ils ont gagné. Donc voilà, ça, vous avez l'URL qui est là. C'est en ligne pour encore 13 jours, ça. Et il faut, je pense, en profiter. Si vous aimez les jeux vidéo, vous avez envie de jouer à moindre coût sur des très très bons titres. Hein, parce que là, vous pouvez aller voir sur les gros sites de tests de jeux vidéo. Tous ces jeux-là ont eu d'excellentes notes. Ils sont connus et reconnus pour être des hits. Donc foncez, n'hésitez pas, vous ferez en plus une bonne action pour les gamins, et ça c'est important. Et on se retrouve nous tout de suite avec notre jeu du jour. Alors nous y voilà sur le jeu du jour, il s'agit de Sniper Elite V2, un jeu de chez Rebellion qui est sorti le 4 mai 2012 sur PC, PS3 et Xbox 360. Il est à 49,99€ sur Steam. Et sur la boutique en ligne de jeuxvideo.com, j'ai vu que jusqu'au 26 juin, vous pouviez l'avoir à 26,99€. De base, ils le vendent 34,99€, sachant que de toute façon, il faut l'activer sur Steam. Autant aller le prendre du côté de chez jeuxvideo.com pour avoir une petite réduction sympathique. Jusqu'au 26 juin, donc la réduction. On est parti. C'est la troisième mission là qu'on va faire du jeu, histoire de pas trop vous spoiler. On va dans un complexe militaire où ils fabriquent justement ces fameuses roquettes V2. Et je ne garantis pas la victoire, parce que franchement c'est pas facile. Donc ici, ce niveau en fait introduit la gestion du son, les bruits qui vont couvrir en fait vos tirs. Donc on est sur du TPS. Et c'est en français, hein. Donc voilà le bruit qui est indiqué en haut à droite. Et là-haut, donc il y a sur le mirador, il y a une espèce de petit salaud, un sniper. Il y en a un autre en face. D'ailleurs, je fais le niveau. Hein. Donc voilà, je vais essayer quand même de faire ça en moins d'une demi-heure. Ça serait quand même bien au niveau de la durée de la vidéo. Donc on va, c'est de l'infiltration. Hein. Donc il est où mon pote? Il est là, il se doute de rien. Je vais en mettre une. Hop, en pleine tête. Voilà. Et on va prendre le fusil sniper. L'autre mirador. Et on va attendre qu'il y ait un peu de bruit. Vite, 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 vite. Voilà, pour que ça couvre mon tir. Alors la killcam qui est merveilleuse hein, dans ce jeu. Allez, en plein cœur là. En plein dans je sais pas quoi. Là. Et donc voilà. Et le bruit a couvert mon tir. Ce qui fait que ça n'a pas alerté. Ces petits compagnons d'infortune d'ailleurs qui vont tous en prendre une. Donc je garantis pas par contre ça non plus de faire discret à chaque fois. Enfin de faire au niveau du son. Attention le son, vite vite vite. C'est bon, je l'ai eu. Ok, donc il en reste un là-bas, au moins un.
plus ça va être un peu plus complexe. Avec les battements de cœur et tout, c'est. Si je me prends des tirs et tout, je pourrais moins me concentrer, bien entendu. Parce que bah, il a le cœur qui bat un peu plus vite, donc on la retente en discret. Ça devrait être bon. Donc, hop, une kill cam jolie. Oh. Ça aussi, ça va faire mal. Ça n'empêche pas que je puisse me faire quand même repérer après. Bien sûr, s'il y a un garde qui fait une ronde et qui découvre les corps, je serai dans la merde. Bon, on va enchaîner. On va quand même essayer d'être discret. Alors, graphiquement, c'est pas merveilleux. Hein, c'est. Putain, ta gueule, toi. Je me saoule. C'est pas merveilleux, c'est pas très détaillé. Bon, c'est pas moche non plus. Hein. Ah 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 ah, j'ai été repéré. Il y en a un qui se méfie là-bas, il a cru me voir. Mais il a pas été assez malin. Tu vas en prendre une, mon gars. Merde, loupé. C'est moche, c'est moche. Il va appeler à l'aide. Vite. Voilà, allez hop. La musique s'énerve, ça veut dire qu'il me cherche. J'ai mis les sous-titres, donc oui, il me cherche. Où êtes-vous? Ville Faquin. Je vous en colle une ou deux entre les yeux. Relève-toi, bonhomme. Hop, on va monter sur le toit et on va s'en. Ça, je vous vois. Bande de petits saligots, mais vous savez pas où je suis. Je suis là. Hop là, avale tes dents. Ouais, baissez-vous, ouais, c'est clair. Il y en a encore. Ah oui, la musique est toujours en train de s'énerver, donc oui. Il y en a encore. Alors, ils sont pas vraiment. Ils sont pas super bêtes. Des fois, ils sont cons. Des fois, ils sont cons comme des portes. Mais des fois, il y en a qui vont monter en haut des miradors pour essayer de me. De me foutre un pruneau en pleine poire. Tout simplement. Vérifier les fenêtres, mais. T'es pour la moitié d'un débile, on est dehors, on sait que t'as eu des fenêtres. Ouais, donc là-bas, il y a le réacteur d'une V2, ils font des tests sur les réacteurs. Tout ça. Contexte, hein, Seconde Guerre mondiale, bien entendu. Bon, on va pas rester là 10 ans. Oula, là, c'est fou. La santé se régène tout seul, hein, c'est pas. Y a rien à ramasser ici. Il y a des lingots à ramasser, des bouteilles de vin à shooter aussi de loin. Non, j'ai dû ramasser ici. Ici. Donc, il faut des fois voilà, visiter un petit peu. Repos, bon, c'est bon. Ils se sont calmés. Donc, moi je vais pouvoir continuer. Faut que je fasse très attention. Là, faut que je fasse tout le tour. Et. Une musique qui s'énerve, c'est pas bon signe pour moi. Mais alors, pas vraiment. En jeu. Bah, en jeu. Il y a personne. Ah, tiens, j'ai été repéré. Ça, c'est moche. Ça. C'est très très moche de me faire ça. Il est où ce bal? Laisse-moi. Bon, vite, on va aller là-bas. Je vais prendre le snipe. Et bon, ma résistance est à chier, hein, donc 2-3 balles, c'est fini. Donc, hop. Et je vise comme un gland. Pas possible ça. Bon, ils m'ont repéré par contre, donc je vais régénérer un peu. Excusez-moi. Oh, lui est complètement con. Voilà. Je vais prendre quand même ma mitrailleuse. Elle est pas très précise, mais elle fera plus de dégâts rapidement s'il y a des gars qui viennent au corps à corps. Oh là là. Donc voilà, mon fantôme, c'est ma dernière position connue. Donc ils vont s'acharner sur cet endroit là parce qu'ils sont un peu cons. Je vais en profiter moi, que ça soit un peu à mon avantage. Ils sont en train de s'énerver dessus. Mais je ne sais pas qui s'énerve d'où. Ah là-bas, je les vois. Ok. Hop. Ils sont combien, je sais pas. Assez pour que je remette plein la gueule. Et merde. Oh là là là. Hop. Voilà. Il en reste un qui s'est barré là-bas. Reviens là. Quoi, il y en a un qui a fait le tour. Ils sont malins, ils sont malins. Ah bah il est blessé. Ah bah il est mort. Pour venir m'emmerder mon gars. Ah 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 ah, vite.
Merde, j'ai pris le fusil. Ah bah, c'est bon. J'ai pris le petit pistolet silencieux. Il y a encore la zik, donc ça veut dire qu'il y a encore. Oui, il y en a un qui m'a presque repéré. Putain, il est là-bas. On va essayer de la jouer fine. Je sais pas s'il était à côté de ça ou pas. Je ne sais pas, je n'y vois goutte. Où est-ce qu'il est? Il est derrière. Ah, il a une mitrailleuse. Ah bah, on est bien barré. Faut que je fasse vite là par contre. Donc, gestion de la balistique, hein. Longue distance, faut vraiment que je vise plus haut. Donc évidemment quand je me concentre, il me dit où la balle va aller. Mais si je ne peux pas me concentrer parce que j'ai le souffle court, parce que je me suis pris des balles et tout, ou j'ai couru, je pourrais pas utiliser donc ma concentration éternellement. Donc voilà. Alors on arrive dans ce fameux centre. Ah ah ah. Alors, toi t'es con aussi. Vraiment pas précise, hein. Le mitrailleuse c'est infernal ce machin. Elle est. Bon, objectif terminé. Alors, non. Alors, l'autre, dès qu'il arrive à un endroit, faut qu'il se vautre le gars. Oh, je suis fatigué. Débile. Alors, bon. Donc ici, ici, ici. Alors ici, ça va être un peu chiétique. Il y a des couloirs dans tous les sens. Ici, il y a personne. Ah, il y a un garde là-bas. Je sais qu'il y a une grue ici. Une grue en fait qui va faire du bruit et couvrir encore une fois toutes mes mauvaises actions. Là ils sont deux en plus. N'aurais-je pas été assez discret? J'ai. Si. Pourquoi l'autre a dit on nous attaque? Ah merde, il y a le trou de balle là qui m'a vu. Putain, enfin, je l'élimine rapidement lui. Parce qu'il va me faire chier autrement. Mais genre bien quoi. Bah oui, puis je fais ça quand il n'y a pas la grue moi. Bah bien sûr. Mais que je suis bête, c'est hallucinant, ils vont tous rappliquer maintenant. Oh là là là. Mon dieu, c'est dramatique de voir ça. Quel glandu! Mais quel glandu! Oh, l'infiltration loupée. On peut se mettre à couvert. Par contre, je m'en sers pas des masques. Je trouve que c'est super raide. Le à couvert, mon dieu. Bon, ils sont où mes potes là? Les personnes? Ouais, alors ok, si vous voulez, les mecs. Hein. Bah ouais, je sais que t'es là, mais moi je sais pas où t'es par contre. Tu parles tout seul, les garçons. Allez, soyons discrets un petit peu là, parce que c'est n'importe quoi mon affaire. Y'a personne. Ah, mais ils sont partis faire la pause café là. Eh les gars, à terre, mais j'ai rien fait. Ah oui, je me cache quelque part, t'as cru quoi? Par contre, y'a. L'autre il a fait comme moi, il a fait du Votramax là au milieu du couloir. Et je ne sais pas pourquoi. On va prendre le flingue quand même. Histoire d'être discret. Hein. Ah. Ah bah tiens, quand on parle du. Je sais pas ce que c'est que ce flingue de merde qui recharge à chaque fois quoi. Eh putain, les mecs, les chargeurs vous connaissiez pas à l'époque? Ah ouais, alors lui il est complètement con, c'est hallucinant de voir ça. Bon. Je croyais que j'allais avoir la paix, mais non. Mais oui, je suis quelque part, je suis là. Mais les gars. Voilà. Ah, pour le coup, hein. Bon, là on peut fouiller. Hein. Voilà, je peux même ramasser leurs armes. Et on peut fouiller les corps. J'ai des goodies, hein, quand. Enfin, des goodies. Des gadgets. Il est où le connard? Tiens, lui, celle-là. Putain, il n'y a plus de balles. Ah, le piège made in Allemagne. Le piège made in nazi. Il n'y a plus de balles dans les flingues qu'il me donne, ces salauds. Ouais, donc il n'y a pas des goodies, mais n'importe quoi. Des gadgets. Des mines antipersonnelles. Je peux lancer de la caillasse aussi pour attirer l'attention ailleurs. On va reprendre mon Thompson. Hein, parce que là j'en ai marre
Leur machin où il n'y a pas de balles. Bon, allez, on trace. Heureusement, il n'y a plus de bruit, donc il n'y a plus un grand monde, hein, vu qu'ils sont tous venus comme des glands devant moi. On va prendre le fusil comme. Il y en a un là-bas, je le vois. Je t'ai repéré, mon salaud, je t'ai repéré. Alors. Et toi, tu vas pas faire de vieux os, c'est moi qui te le dis. Oula, 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 il a un pote là. Ça, c'était pas prévu, le pote. L'autre là-bas, il sait même pas ce qui s'est passé. Hein? C'est moi, le roi du chocolat. Allez, mange ça déjà. Ah, bah tiens, pour aller chez le dentiste aussi. Je t'ai fait un nez à la Michael Jackson, garçon. Tiens, là, tes copains. Salut, toi. Et hop, cadeau. Alors, on va prendre la mitrailleuse quand même. Ah, oui, si, je te vois, je te vois. T'excite pas. Tu vas l'avoir, ton pruneau. Ah, bah, reviens. On s'amusait bien pourtant. Monsieur. Tu vas te calmer tout de suite, mon petit père, parce que tu commences doucement à me gonfler là. C'est ça, mets-toi à couvert. Merde. Non mais l'autre, il me tire dessus avec une mitrailleuse cette distance quoi. Eh, ça va là. Putain, je vise comme une pine. Allez. Ouais, c'est bien, ouais. Vide ton chargeur dans le mur. Ah, t'as de l'avenir. Ah, m'étonne pas que vous ayez perdu la guerre, les Allemands. Wow. Avec des truffes pareilles. Allez. Bon, on va se rapprocher hein, vu qu'il est con comme une porte, l'autre. Bonjour, monsieur. Ah, te voilà. Ah, mais il est pas mort. Mais il est mort. En même temps, une balle dans les roustons, ça a dû le calmer celui-là. Bon, je vais donc poser mes explosifs. Posons les explosifs. Voilà. Alors il y a un tic-tac, hein, mais il n'y a pas de compteur, donc je me suis toujours dit que j'avais le temps. Je vais quand même garder ma mitrailleuse, on sait jamais au cas où il y a un clampin qui serait resté en vie. Je sais qu'il y en a un qui se balade des fois sur le côté, mais c'est au cas où. Hein. Tiens, pour le moment, je ne vois personne. Où êtes-vous? Vous êtes tous morts? C'est pas un garde là-bas? Ouais, non, ok, c'est pas rien. Juste des yeux de merde. Ah oui, là il y en a un à mettre sur une. Un explosif à mettre sur une pompe, si je me souviens bien. Voilà. Ah ouais, non, te mets pas à couvert. Oh, allez, relève-toi. Oh, bah si, il y a un garde là. Ouais, alors lui c'est vraiment le roi des cons quoi. Oh, c'est Joel Clodo le gars. Elle, garde-moi ça. Oh putain. Pignouf. Oh merde, il est pas tout seul. Ah là 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 là, quelle erreur. Quelle erreur. Ah, ça me ramène où cette affaire? Ah là, c'est bon. Bon. Ah, Joel Clodo, il avait un pote. Hey merde. Bon, bah, on va là. Je vais moins faire le con. Bonjour, je vis comme une merde. Et toi, comment vas-tu? Bah, distraf. Bah, je sais pas où t'es. Oh putain. Putain! Mais. Ah, voilà, ça y est, ça m'énerve, fallait que ça arrive. Ça, si j'avais été calme sur le premier, sur Jamestown, ça va pas être la même maintenant. Hein. Alors ça aussi, ça me saoule. Ça, c'est un problème du jeu. Les gars, ils te voient dans les coins, mais toi, tu les vois pas. Quoi. Ils sont capables de te tuer à travers le mur. Ça m'énerve, mais horriblement. Ah putain, mais ils étaient combien, là? C'est bon, il n'y a plus là, les gars. Et. Si?
Putain, il y en a encore, sérieux. Bon. Il est foutu de me prendre à revers, lui. Tu ne tueras point. Mais moi, je te tuerai. Alors, par là, donc. Quoi encore? Putain, mais foutez-moi la paix! Je viens juste poser des bombes, les gars, quoi. Putain, sérieux? Oh là là. Eh, mais... Voilà. Mais ouais, je vous attaque, mais ouais. Oh non, mais ça va, quoi. Les mecs sont 15 000 dans leur bunker de merde. Vas-y, c'est pas la fête à la saucisse, hein, dans le coin. Faut se détendre, les gars. Ah là là! Ça y est, c'est le drame, j'ai plus de balles. Non, j'en ai plus du tout. Oh là là! Mais vas-y, ça me beurre les noix, cette affaire. Putain, les mecs, ils sont 15 000, tu sais pas d'où ils viennent, vu que toutes les portes sont fermées, quoi. Bon, je rassais encore une fois. Tac, dans ta gueule. Dans ta gueule! Toi aussi, la même, cadeau. C'est la maison qui régale. Bon, j'aurais rien à me casser de là, en fait. Voilà. En fait, ils arrivent à la chaîne, les mecs. C'était pas des V2 qui produisaient, c'était des clones, quoi. C'était Star Wars en avance. Sniper, ouais, sniper avec un flingue à silencieux, j'avoue que moi aussi je te fais du snipe avec ça. Allez hop, on se casse. Par là, normalement, il n'y en a plus, j'avais tout clean tout à l'heure de toute façon. Putain, on est déjà à 19 minutes quoi. Oh là 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 là. J'avais dit 15-20 minutes grand max. Ouais, faut que je passe au-dessus, je sais. Bon, on va poser les bombes, la dernière, en essayant de pas crever. Et puis on va s'arrêter là. Alors même s'il joue comme une vieille merde, le jeu est vraiment chouette. Vraiment, c'est vraiment super intéressant. On peut la jouer très très finement. Vous avez bien vu que quand on la joue bourrin, ça ne passe pas. Voilà. Et donc maintenant il faut que j'aille trouver un bureau qui est au fond. Hop. Oh, il est un peu raide. Hein. Bon. De toute façon après au bureau va y avoir un gunfight et tout, c'est long. Jusqu'à la fin c'est encore un peu long. Il y en a au moins pour 10 minutes si je meurs pas. Un quart d'heure si je meurs, donc on va arrêter. Allez, bah. Ah bah voilà, ça m'apprendra à faire le con. Voilà, on va s'arrêter là. C'était donc Sniper Elite V2, qui est un très très bon jeu, qui change un peu des jeux de guerre classiques, mais surtout avec la killcam. Donc il y a du multi aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a du multi coop, divers modes coop, certains sont sympas, où il y en a un qui couvre son pote qui doit rentrer dans une zone dangereuse et tout. Et puis du deathmatch, hein. Classique jusqu'à 12 joueurs, donc vraiment très très sympa, ça récompense les tirs de loin et tout, on s'amuse bien. Voilà, donc c'était sur ce deuxième volet de One Shot sur Sniper Elite V2. Ciao.